Eh bien, salut à tous et à toutes, et petit bidulé dans la place. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft assez spéciale. Déjà, parce que oui, j'ai changé de pseudo et on va en parler ça. Et surtout, ce que. Voilà, voilà ce qu'il y a sur PS4 maintenant. Bon, est-ce qu'on a besoin d'en parler, hein? Peut-être, ouais, je crois bien. Parce que pour vous expliquer, Minecraft sur PS4, vous regardez mes anciennes vidéos. C'était pas comme ça, tu vois. Avant, il n'y avait pas ça, là. Tu vois, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas. On pouvait pas faire. Il n'y avait pas de chat, tu vois. On pouvait pas faire slash give. Je sais pas, moi, je fais. Tac, robaspé, barrière. Oh! Voilà, barrière. Ou putain, ou les gens. Voilà. Il n'y avait pas ça avant. Voilà, il n'y avait pas ça. Ça, il n'y avait pas. C'est une mise à jour. Pareil, l'inventaire. Regarde, là, je quittais. Voilà, l'inventaire déjà, il y a rien, tout qui a changé. C'est n'importe quoi. Quand je fais ça, il y a. Bah, tout a changé en fait, c'est terrible. Hein. Quand. Allez voir mes anciennes vidéos, vous allez voir. Du coup, j'aimerais bien faire quelque chose. Parler un peu de toutes les nouveautés. Bon, tout a changé, en fait, tout le menu et tout, et surtout les commandes. C'est-à-dire que les gens. Donc, si je vais aller là-bas. Alors, je vous dis que ça a changé, parce que là, il y a une mise à jour tout à l'heure, et déjà, quand j'ai fait. Oh! C'est que. Déjà, il y a un autre truc qui a changé en l'espace d'une heure. J'ai laissé le jeu une heure, on a joué et tout. Et là, il y a déjà changé. Maintenant, dans le chat, tu vois, je sais pas, il y a écrit tout. Quand je fais un. Avant, il n'y avait pas ce petit onglet là en vert slash. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait que les deux trucs. Enfin, quand je dis avant, c'était il y a une heure, les gens, je vous promets. Et quand je faisais slash, il n'y avait pas tout ça là. Il n'y avait pas. Donc là, il y a vraiment tout. Et. C'est n'importe quoi, les gens, mais c'est. C'est n'importe quoi, tu vois, faut faire. Tout a changé, c'est n'importe quoi. En l'espace d'une heure, genre maintenant il y a tout. Mais du coup, j'aimerais bien parler de faire un peu tout ce qui a changé. Donc, ouais, là, on s'amusait à faire slash fill. Donc, c'est un peu l'edit, quoi. En gros, tu mets des coordonnées ici, des coordonnées là-bas, à l'autre bout. Putain, ça fait laguer, quoi. Et ça va. Ça change tout et tu remplaces avec le bug. Ben, on va le faire ensemble alors. Donc 79, c'est 79. Là, regardez, j'ai. Je vais prendre mon téléphone. Donc là, vous n'allez pas le voir. Mon bloc-notes. Alors, mon bloc-notes, il est là. J'avais déjà mis des commandes, mais ça n'a pas marché. On va essayer ensemble. On va mettre moins. Parce qu'il faut bien marquer les coordonnées. 422. 79. Et moins 45. Ok. Là, ça va. Ok. Après, on va aller à l'autre bout. Par contre, là, c'est n'importe quoi. Ça, il fait tout laguer, mec. C'est oh, c'est n'importe quoi. Et là, on va aller à l'autre bout pour vous dire quel pensez-vous. Là, regarde, j'avais tout remplacé. Là, en dessous de la stone, parce qu'on a mis de la lave, du coup, ça a fait de la stone. Les gens, je vous jure, c'est une révolution. Hein. Parce qu'avant, là, dans le serveur mini-jeu, j'avais fait un petit live et tout, que j'avais supprimé, je crois. Et en gros, on va en parler tout de suite de tous les changements qu'il y a eu sur ma chaîne. Et ensuite, en gros, j'avais mis des rails et tout, parce qu'on n'avait pas de commande. Donc, pour aller au mini-jeu, il fallait mettre des rails, tu vois. Là, du coup, mec, ça va nous changer. On peut se téléporter. C'est juste un peu plus chiant pour se téléporter et tout, mais. Oh, c'est the best mise à jour, quoi. Ça change vraiment tout. Donc là, moins 95. Et après, là, on ouvre. Le. Non, pas ça. Je vais pas ouvrir ça. Voilà. Slash fill. Moins. Moins 400 de 2, on fait espace 7, 9, espace moins, voilà, avec moins 45. J'espère que ça va marcher par contre. Ce que je viens d'essayer tout à l'heure, ça n'a pas marché, mais j'ai pas fait pareil. Et là, après, on va faire espace, donc on fait moins. 400, 485, moins 79 pour la couche, hein, bien évidemment, et moins 95. Moins 95. Et si je veux faire. Et là, normalement, je dois mettre. Voilà, là, je choisis tout. Et là, je me si je mets un A. Voilà, il y a de l'air. Donc l'air, c'est rien en fait. Hein. Et l'enfer 2 est là. Zéro bloc placé. Ah merde, comment ça se fait?
Attends, si je fais la même commande. Avec genre. Si je mets stone. Enfin, si je mets glace, par exemple. Ah oui, ok, c'est juste que la couche, j'ai mis la mauvaise couche, vous voyez qu'elle est là. Donc ça te couche 80. Ok, vous voyez que c'est juste incroyable, hein. Genre, c'est. On pouvait pas faire ça avant, on devait. Si on voulait mettre un gros plateforme, ça. On était obligé de mettre des. Les faire à la main, un par un, quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, on doit mettre. Merde. Moins. 9,5. Ok, et là c'est ça que je sais pas ça que je. Voilà, c'est ça. Donc on va mettre 80 les gens. Et après on va mettre 81 pour enlever les coffres parce que ça fait laguer mon jeu les gens. C'est n'importe quoi. Avec tant de coffres. Nous on voulait mettre des blocs dans la zone, puis après directement des pistons. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour tout actionner, faire laguer à mort le jeu, ça pourrait être génial. Tac, tac. Dans. Ah oui, oui. Oui. On va mettre R peut-être. Voilà! Regardez! 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 Là, ça a tout remplacé de l'air. Et genre, c'est incroyable. Et là, j'ai juste à mettre 81. Donc, on va le faire parce que ça fait vraiment trop laguer. J'ai juste à faire tac. Tac. On va mettre pareil de là-bas. Normalement, je sais pas, je crois pas que vous voyez le clavier de la PS4 parce que. Voilà. Mec, les gens. Et là, ça a vraiment. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une révolution. Hein. Clairement, pour les gens, c'est comme sur PC ce que je jouais sur PC. Et dites-vous ça que ça, il y a une heure, on pouvait pas le casser. C'est-à-dire qu'on pouvait pas faire ça avec les camps de blocs, on pouvait pas les casser, je savais pas pourquoi. Pendant une heure, donc à ce moment, j'ai joué à Titanfall 2 à côté et tout. J'ai pas pu jouer et là tout d'un coup on peut faire ce qu'il veut et tout et c'est et là maintenant c'est je sais même pas quoi vous dire quoi c'est incroyable parce qu'avant il y avait là si j'appuie sur le pavé tactile ça fait rien qu'on soit d'accord ça fait rien et avant ça faisait il y avait les options de l'autre je pouvais téléporter et tout mais globalement il y avait que la base quoi on pouvait pas faire ça mais je sais pas si vous vous souvenez mais si pour les seuls gens qui avaient vu le live. Il y avait des rails, là tu tombais dans un système Hearthstone, il y avait des rails qui menaient dans le mini-jeu parce qu'il n'y avait pas le choix en fait. Et là du coup on a tout cassé tout à l'heure parce que du coup il y a les commandes blocs, c'est génial. D'ailleurs je vais pouvoir casser le commande bloc que j'avais mis sur Factswag et j'étais deck parce que je pouvais pas le casser là. Voilà. Donc on va pouvoir se give. Voilà. Slash. Give. Arrobas P. Déjà, alors en plus, maintenant on peut voir les blocs et tout. Non, mais les gens. Pff, oh. On peut même mettre les colons de vente dans un minecart, quoi. Lol. Et là, on va mettre bloc. Là, hop, hop. Et voilà, c'est bon, j'ai un colon de bloc. Et du coup, on va pouvoir les mettre. On va pouvoir faire en sorte de téléporter. Genre, Rush Claim, on a l'endroit. Donc, on va pouvoir mettre. En vrai, on va mettre ça. Ici, voilà, là on a un command block. Et on va mettre slash TP machin. Donc là, je vais reprendre mon téléphone. Donc j'efface toutes les coordonnées que j'avais mises. Hein, c'est pas des trucs, voilà. Et on va prendre un bouton déjà. Ah oui, maintenant on peut rechercher. Là, on pouvait pas faire ça avant. On devait chercher tant qu'on trouvait pas quoi l'item. Maintenant, on peut juste noter l'item qu'on veut. Tac. Et là, je vais pouvoir le mettre ici. Donc on va déjà. Après mettre la commande, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc slash slash tp arrobas p et là on va mettre donc c'est le joueur le plus proche et là on va aller faire ça donc en gros on va aller l'endroit que je veux et je vais noter les commandes et tout donc on va faire un peu le tour je vais vous présenter un peu comment ça marche et tout donc là on va faire parce que là c'est ma map mini-jeu. Donc là, il y a l'Hunger Game avec le mur dégueulasse, mais on s'en branle, c'est qu'un mur. C'est pour ça que j'ai pas fait d'effort et tout. Rush Claim, voilà, c'est là. C'est-à-dire que là, si je veux tout détruire, enfin, ça va me faire des changements dans tout en fait.
On va se mettre ici. Et là, je vais mettre... Du coup, c'est 6. 70. Je suis comme un gamin, les gens, mais c'est n'importe quoi. 94. Du coup, là, je vais peut-être faire un petit accéléré le temps de... Enfin, je suis même pas sûr. Donc là, on va... Voilà, on va faire... Et là, on va mettre les commandes. En plus, les commandes, là, c'était pas trop compliqué. C'est 6, 70, 94. Là, on fait ça. Et on fait... Normalement, si je fais pas la resto, gna gna gna. Message flottant. On peut même mettre un message flottant. On va dire... on va mettre un petit genre... go et tout, genre pour genre ouais, vas-y go, on y va et tout. Du coup, pour créer des maps et tout, ça va être sur PS4, ça va être une véritable révolution quoi, ça va être n'importe quoi. Ah, ça le cache. Ah non, ok, ça va. Et là, voilà. Et là, voilà. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte le délire? Je sais pas si vous remarquez là. C'est n'importe quoi, tu vois, genre c'est. Je vais aller en Rushlane, paf, je clique, j'ai pas de prendre un train d'enfer qu'on a. C'est où on se casse les burnes à le faire. Ça paraît anodin parce que c'est ici sur ordinateur et tout, tu te fais pas chier comme ça. Mais sur PS4, ça va révolutionner. Je sais pas si vous rendez compte. Voilà, tout simplement. Donc pendant que je vais faire les autres, parce que oui, on va faire les autres. Donc là, c'est le PVP, on verra après. Parcours, build fight, bon, on va faire PVP. Hein. Donc là, on va faire pareil. Là, on va faire là. Voilà, go. Et je voulais aussi vous parler de ma chaîne en général, parce que j'ai fait des changements dans ma chaîne. Donc, vous voyez, j'ai changé le pseudo. Je m'appelle plus Mr. Pixel. Je m'appelle Petit Bidule. Voilà, c'est un nom que j'aimais bien. Je trouve ça mignon. Et je suis le seul à m'appeler comme ça. C'est comme ça, ça fait. Ça, c'est vraiment ma marque, tu vois, genre. @P. Et là, on va aller. Tac, tac, voilà. Et je voulais avoir vraiment ma chaîne YouTube, ma marque. J'ai changé mon. J'ai créé mon propre logo à la vite fait, hein, mais c'est sûr. Et. C'est quelque chose. Ça paraît con comme ça, hein, mais j'ai supprimé toutes mes anciennes vidéos. J'ai gardé que les nouvelles sur PS4 et tout. J'ai envie de changer. J'ai envie d'avoir une chaîne propre qui me ressemble, en gros. Et pas brouillon, tu vois, avoir des vidéos de qualité, avec du montage et tout. Enfin, sauf qu'il y en a... Là, il n'y en aura pas besoin, c'est plus pour vous présenter. Et que du coup, je voulais avoir ma propre chaîne à moi, quoi. Donc là, on va juste marquer 7-3. C'est ouf que moi, je suis typiquement le genre de mec qui ne peut pas marquer deux trucs de la fois. Je peux pas parler et en même temps marquer. Voilà, c'est un truc de ouf. Et que du coup, voilà, j'avais envie de changer, du coup j'ai tout changé. Faire plus de montage, je vais avoir des miniatures maintenant. Il y aura plus de vidéos sur téléphone, ou presque vraiment pas. Là, il y en aura que sur les jeux que je fais en ce moment, hein, vous voyez, ou peut-être d'autres jeux au fil du temps. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez d'autres jeux et tout. Donc voilà. Donc j'aimerais bien pouvoir descendre du cul. Hein. Allez! Voilà! Et là, tu vois, hop, on va mettre ça, @P, donc c'est moi. @98. Et voilà, et là, déjà, c'est... Juste avoir des camps de log. Et je vous dis, il y a une heure, vraiment une heure, j'ai pas de mise à jour entre-temps. Je pouvais pas... Je ne pouvais vraiment pas les casser, les camps de log. C'est-à-dire qu'ils étaient placés, c'était à vie. Donc, oh yes, mais c'est magique! C'est incroyable! Et que du coup, ça va vraiment nous aider pour les maps, en fait, parce que c'est... Il y a un petit exemple anodin. Pour éviter qu'on se barre du spawn, par exemple. Voilà, là, j'ai mis des blocs invisibles. Et voir. Bon, je vais vous montrer. Regardez, je vais faire ce slash give. Voilà, parfait. Voilà, on va mettre B, voilà. Plus ça nous propose, regardez en arrière, voilà. Barrière. Voilà. Et là, regardez, tout ça, j'ai mis des barrières comme ça. Le petit spawn, j'ai oublié ici, tiens.
pour empêcher qu'on puisse se barrer et tout. Donc voilà. C'est vraiment anodin parce que quand t'es en jeu, genre, regarde, tu les vois pas, les... quand t'es en jeu, bon ben voilà, c'est un hub. C'est vraiment bien foutu. Et nous, et là, quand tu veux les voir, ben. C'est-à-dire qu'on est quand même pas mal sur la chaîne et tout. Quand on va pouvoir. Quand je, parce que j'espère un jour pouvoir ouvrir le serveur. Il sera bien fini, ça met du temps, hein, parce qu'on le fait progressivement. Ben ça pourrait nous aider pour les trucs dans, pour les conduire dans les droits chemins, on va dire ça comme ça. Et ça paraît des petits trucs débiles en soi. Parce que genre, ouais, mais il y a déjà sur PC, et puis ça gênait pas trop, ça empêchait pas trop de jouer et tout. Ouais, je suis d'accord. Et mais il faut quand même vous dire que pour faire des pour la construction, pour les mini-jeux et tout, ça va servir. Mais un truc de malade, les gens. Vraiment, ça va te the best truc. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, quoi. Ça fait vraiment plaisir d'avoir et tout. Et là, juste comme ça, petite parenthèse, vous voyez le monde là, il est un peu bizarre, hein, tout une fois. C'est qu'avant les mises à jour, c'était un monde pas infini. Là, c'était la limite du jeu. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais du coup là, on a un monde infini. Voilà. C'est vraiment bizarre. Et du coup là, c'est. J'ai vraiment. Comment vous expliquer? Ah oui, parce que du coup là, regarde, je peux faire ça. Parce que j'ai pris. En fait, on peut récupérer les anciennes commandes. Ah oui, ça, j'avais pas pu parce que je sais pas. Voilà, tout à l'heure, là, avant de tourner la vidéo, j'avais fait des commandes et ça voulait pas faire. C'était bizarre. Je crois que c'est parce que j'ai fait un bloc et tout. Enfin, c'est. Voilà, c'est comme ça. Alors. Je peux dire. Impossible à voir. Ça... Et du coup, mais ça va nous. Mais nous changer la vie, les amis. Déjà, ils ont refait tous les graphismes. Comme il y a les abeilles, comme vous avez pu le voir là-bas, là, il y a les petites abeilles, on va y aller vite fait. Mais vraiment, la grosse nouveauté, c'est qu'enfin, il y a les trucs, quoi. Enfin, il y a les. Donc là, les abeilles, hein, ça fait plaisir en vrai. Enfin, il y a les putains de commandes, et ça fait vraiment plaisir. Donc on va marquer, j'ai enlevé ce truc de stone dégueulasse, là. En tout cas, t'es moins. Bon, faut avoir de quoi noter, hein, parce que sinon, pour retenir, c'est chiant. 62. Et là, on va à l'extrémité. C'est un world edit en fait. C'est. Ah putain. Oh le gros con. Oh le salaud. C'est qui m'a fait ça? Oh là là, ça date Hugo tout à l'heure. Ouais, ça, c'est l'avantage d'avoir des barrières dans la main. Hein. Si tu vois qu'il y a un bloc invisible, je cherche pas à comprendre. Hein. Ça, on les enlèvera plus tard. Du coup, on va faire ce que j'avais envie de faire. J'essaye de faire ça. Là, du coup, avec 485 espaces, donc notez bien si vous voulez faire vos propres maths et tout, hein, regardez bien. Il y a tonnes de commandes, hein, ça c'est. Il y a plein de commandes dans le train, c'est vraiment la liberté pour la créativité des serveurs. Et là, c'est 43. Donc, 43. Et là, du coup, on va faire espace. Oh, mec, ça me propose, regardez, en bas là, et ça me propose le truc où je suis. Mais en fait, c'est qu'il n'y avait pas toutes les aides là, qui, vous voyez, sur le côté, qui se mettent en fonction de ce qu'on écrit et tout. Il n'y avait pas ça il y a 1 heure et tout, donc nous c'était vraiment il fallait bien retenir et tout, et voilà quoi, c'était brouille-toi. Donc en 1 heure déjà il y a eu tant de changements, donc là ça va mettre 61. On va mettre 61 alors, et là on va mettre du coup c'est moins. Ah, du coup ça peut nous aider, t'as pas besoin de tout noter genre, et là on va mettre 96. Le téléphone, tu peux se mettre en veille le téléphone, hein. On va juste faire 61 espace, et là on va mettre de la water parce qu'on peut vraiment mettre tous les blocs de Minecraft, hein. C'est voilà. Est-ce que c'est pas magique, punaise? C'est pas magique tout ça? C'est n'importe quoi les gens! Enfin on a ça, mais c'est n'importe quoi! Ça va vraiment tout révolutionner, c'est quelque chose d'incroyable quoi. Parce que là si je mets. Regardez, en fait là ça peut nous aider. Là si je veux me téléporter sur un pote, se téléporter. Qui, voilà, je choisis. Ou bah ça faut mettre. Voilà. Ou bah là j'ai rien d'autre, c'est évidemment. Au lieu de taper à chaque fois slash TP, parce que d'ailleurs il y a 1 heure, il n'y avait pas ça. Il fallait téléporter, il fallait mettre. Comme il n'y avait plus le pad de la tactile, il fallait mettre slash TP, blablabla. Loup, pareil, la météo, bah c'est comme sur le téléphone en fait. Là j'ai envie de faire de l'orage, tac, voilà. En fait j'ai envie qu'il fasse beau parce que c'est quand même plus agréable. Paf, paf, voilà, c'est bon.
Et puis d'ailleurs, vite fait, le menu, voilà à quoi il ressemble. Du coup, maintenant, paramètres, on peut. Et du coup, on peut vraiment faire tout. Ah, on peut faire. Regarde, on peut même brancher un clavier-souris. Voilà, il n'y a rien à dire. Manette, profil. Le jeu, c'est comme sur téléphone. Donc voilà, comme ça, tous les commandes blocs activés, tout. Ils ont fait des petits trucs et tout. Et c'est trop bien, en fait. C'est juste trop bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein, les gens, cette vidéo. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que cette vidéo. Oh putain, c'est trop beau. La couleur et tout, désenchante. Bah, du coup, j'espère que ça vous aura plu. Que je vous aurai appris des trucs. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la mise à jour. Parce que les gens, là, c'est n'importe quoi. Ça va vraiment révolutionner. Hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et le Subnautica, ça arrive bientôt. Hein, la prochaine vidéo, j'espère que ça sera Subnautica. Donc voilà, je mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour me soutenir et pour rien rater. Et puis, franchement, les gars, ça fait vraiment trop plaisir. C'est vraiment n'importe quoi. Et franchement, c'est incroyable, quoi. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme je vous dis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Moi, je vous dis à la prochaine. Prendre prochaine vidéo. C'était